sont les found footage, qui comprennent pleinement les possibilités et l'ampleur diégétique sur lequel le procédé qu'ils utilisent peut ouvrir. Europa Report fait partie de ces œuvres refusant l'opportunisme stérile du métrage peu onéreux, rapportant de façon exponentielle sa mise de départ, pour s'atteler à susciter le vertige du mystère en enracinant fermement son récit au cœur d'une réalité scientifique ultra rigoureuse pour mieux distiller son inquiétante étrangeté, puis nous plonger brutalement dans l'inconnu le plus total, quasi lovecraftien. Narrant le destin tragique d'un équipage international d'astronautes missionné par une société privée sur Europe, l'une des lunes de Jupiter, pour y chercher d'éventuelles traces de vie, ayant perdu le contact avec la Terre après un atterrissage forcé catastrophique dû à une défaillance technique, Europa Report suit très vite ces 6 astronautes se retrouvant seuls sur cette planète glacée, inhospitalière et bien loin d'imaginer ce qu'ils vont y découvrir. Europa Report est un très beau et très ambitieux found footage de hard science fiction, complètement vertigineux, captivant et terrifiant, malheureusement trop peu connu malgré la passion et la rigueur qui l'anime. Le talentueux Sebastian Cordero se refuse strictement à laisser ne serait-ce qu'une once de facilité au spectateur, ne le caresse jamais dans le sens du poil en lui imposant une précision et une rigueur scientifique parfois peu réjouissante, mais dont le but nécessaire est d'ancrer et de justifier son récit à tous les niveaux afin qu'il apparaisse le plus réaliste possible malgré ses incursions fantastiques. Tout semble on ne peut plus concret, pragmatique et donc plausible. Quand bien même il nous perd lors de certaines courtes séquences par une avalanche de détails techniques, c'est avant tout pour mieux nous emprisonner définitivement la suivante et surtout parce que l'exigence du réalisme s'avère une nécessité indépassable à la construction de son projet pour que celui-ci tienne solidement. Dès lors, il apparaît évident que le choix du found footage est, dans ce cas, totalement pertinent pour ne pas dire consubstantiel à la radicalité que propose l'ensemble. Il amplifie la tension, l'angoisse, limite les personnages dans leur capacité à capturer les phénomènes auxquels ils sont confrontés en ouvrant un abîme de hors-champ tout autour d'eux. Il permet de ramener l'épopée spatiale à échelle humaine tout en nous propulsant au cœur de l'immensité du cosmos. Les caméras, aussi nombreuses sont-elles, amènent des possibilités de mise en scène passionnantes et en même temps, coupées du monde duquel elles proviennent, le journal de bord qu'elles renferment ne constitue qu'un grain de sable perdu au fond de l'océan stellaire. Un véritable petit bijou donc, indéniablement et puissamment métaphysique, définitivement étrange et angoissant.